je m'appelle Guylaine, je suis cadre de santé au sein du groupe hospitalier Diaconès Croix-Saint-Simon. Je suis arrivée ici en 2005, tout d'abord intérimaire, puis je me suis engagée pendant 7 ans dans un service de soins et lors du départ de la cadre de santé de l'époque, il a été proposé aux infirmières présentes de prendre le poste de responsabilité. J'ai postulé et ma candidature a été retenue. Je me suis engagée pour une grande aventure et puis j'ai décidé de valider tout ça par l'obtention d'un diplôme et d'un master. J'ai fait la demande au sein de l'institution et l'institution a répondu oui. Donc ils m'ont soutenue financièrement et à l'issue de cette formation, j'ai fait le choix de revenir et je suis maintenant depuis 3 ans la cadre de santé du pôle de soins palliatifs. Bonjour, je m'appelle Raphaël. J'ai d'abord travaillé au sein du groupe hospitalier Diaconès Croix-Saint-Simon en tant que stagiaire. Ce stage s'intégrait dans une reconversion professionnelle puisque je travaillais historiquement dans la distribution. J'ai donc intégré la direction du développement pendant 6 mois. On m'a fait confiance, on m'a formé et on m'a proposé un CDI en tant que responsable du mécénat. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être diplômée du MBA de l'Institut Léonard de Vinci en direction d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Et je suis chargée de valoriser les projets du groupe hospitalier et de faire le lien avec les donateurs qui désirent soutenir le développement du groupe.